Cécile Cara nous a proposé, notamment dans l'articulation des violences, violences au milieu scolaire, voire en milieu éducatif, et puis les questions pédagogiques, parce que finalement, on a peut-être autant abordé ce matin la question de la discipline dans la classe et de l'indiscipline dans la classe, telle que c'était abordé il y a quelques années, que la question véritablement de la violence. Et donc, ce sont des champs qui, évidemment, sont très proches, mais qui, en même temps, méritent peut-être d'être un petit peu distingués. Alors, je vais faire un tout petit peu de publicité pro-domo par rapport à la question qui a été posée sur la pédagogie. L'année dernière, avec mon collègue Sébastien Pes, qui est de l'université de Tours, en sciences de l'éducation, nous avons sorti un livre qui s'appelle « Pédagogue de l'extrême », ça va vous intéresser, pédagogue de chez ESF, « Pédagogue de l'extrême, l'éducabilité à l'épreuve du réel ». Et donc nous sommes allés voir, un ancrage international, une quinzaine d'expérimentations où justement la question de l'adhésion, elle se pose. On a des publics qui sont très rétifs à la question de l'apprentissage, à la forme scolaire, à la forme éducative même, parce que ça dépasse le cadre de la forme scolaire, et nous avons essayé de comprendre un petit peu ce qui se passait. Et à l'intérieur, effectivement, la question de la pédagogie coopérative, la question peut-être, pourquoi pas, de la pédagogie institutionnelle peut émerger, mais c'est une des façons de répondre. Et vous verrez que, si vous lisez ce livre-là, « Pédagogue de l'extrême, l'éducabilité à l'épreuve du réel », qui a fait un petit bout de chemin, qui est assez sympathique d'ailleurs, avec de bons échos auprès des professionnels de l'éducation, vous verrez qu'on est bien là dans une multiplicité des approches pédagogiques, et donc que lorsque on veut parler de ça, si on devait faire passer un message, c'est inspirez-vous de ces exemples, mais ne les prenez pas comme modèle. C'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle nous avons pris 15 pédagogues différents, 15 expérimentations différentes, bien pour montrer que ce ne sont que des exemples et que finalement la pédagogie ne se construit que ici et maintenant dans un cadre qui est celui qui nous est imposé par la forme scolaire ou la forme éducative. Et c'est la raison pour laquelle, et je fais le parallèle avec ce que je voulais aborder aussi, on ne peut pas aborder la question de la violence au milieu scolaire sans aborder la question de la violence institutionnelle. C'est-à-dire qu'on a toujours trois niveaux à penser, et ça me fera le lien avec le bouc émissaire. On a toujours, quand on étudie une situation violente, on a toujours trois niveaux à aborder. Le niveau individuel, car ce sont des individus qui rentrent en violence, qui posent des actes. Le crachat, le coup de tête, le coup de couteau, ce sont toujours des individus. Et l'enseignant, on a vu, qui répond comme il peut, voire qui, lui-même, génère un certain type de violence. C'est le niveau individuel. On a le niveau collectif. Il y a des dynamiques collectives dans les groupes, notamment, qui se développent par le fait même que nous sommes dans des collectifs. Et c'est très intéressant de voir comment les collectifs viennent à un moment surdéterminer les actes individuels. On est toujours le fruit d'appartenances collectives qui, à un moment, font que nous allons individuellement réagir de telle ou de telle façon. Et puis il y a le troisième niveau, le niveau institutionnel, qui est certainement le niveau le plus important, puisque c'est toujours l'institution qui donne une mission à des professionnels pour intervenir sur des usagers. Alors, en l'occurrence, quand on est en milieu scolaire, on donne une mission au prof et on dit au prof, allez, voilà ce que vous devez faire avec des élèves. Et c'est l'institution qui non seulement donne la mission, mais qui donne le cadre aussi dans lequel cette mission doit s'exercer. Et donc, vous avez un certain nombre d'heures, vous avez un certain nombre d'élèves par classe, vous avez tout un tas de choses qui viennent surdéterminer les dynamiques de groupe et qui viennent surdéterminer l'approche individuelle que vous pouvez mettre en œuvre, y compris dans la relation éducative. Donc, ces trois niveaux-là sont très importants, et moi j'invite toujours à distinguer ce qui relève des violences en institution éducative ou scolaire et des violences qui sont institutionnelles, c'est-à-dire qui sont soit générées par le cadre institutionnel, soit qui ne sont pas traitées dans le cadre institutionnel. Et là, du coup, on va faire le lien avec la question du bouc émissaire. Sachez que dans le panorama qui vous a été donné tout à l'heure, très intéressant, notamment le panorama historique, vous avez aussi un grand chercheur. On a cité Éric Debarbieux, qui est une figure emblématique de la recherche sur la violence au milieu scolaire. Vous en avez un autre, qui est Jacques Pin, qui, dès 1972,
avec Fernand Houry, écrit « Chronique de l'école caserne ». Et dans cette chronique de l'école caserne, eh bien, il décrit déjà toutes les violences et les réponses qu'on peut apporter à la violence. Donc la réflexion sur les questions de violence en institution scolaire, en fait, découle d'une réflexion plus ancienne sur, et Éric Debarbieux d'ailleurs est issu aussi de cette filiation-là, une réflexion sur les violences en institution éducative. Toutes les institutions éducatives, y compris les institutions éducatives d'hébergement des jeunes, et y compris même de ceux qui ont affaire avec la justice. En d'autres termes, ceux qui ont réfléchi la question de la violence scolaire sur la longue durée s'intéressent finalement à la forme institutionnelle et se dire les enfants pris dans le cadre, par exemple, de l'éducation surveillée à l'époque, qui est devenue la protection judiciaire de la jeunesse, ces enfants-là, à quelle problématique est-ce qu'ils sont confrontés, et par projection, on se dit, vu que nos formes institutionnelles sont à peu près les mêmes partout, hein, l'hôpital, la prison, l'école sont construites sur les mêmes formes spatiales, historiquement, eh bien, les problématiques qui se jouent à un endroit, on a de fortes chances de les retrouver à un autre endroit, à un autre moment. Et c'est la raison pour laquelle, et de fait, la question, toutes les questions qui ont été évoquées, la question du chahut, la question de l'autorité, la question de la relation éducative, la question de la proximité, toutes ces choses-là, eh ben, on les retrouve dans l'ensemble des institutions. Voilà le petit propos d'articulation que je voulais évoquer entre le travail que nous effectuons à l'université aujourd'hui. Sachez donc que ma thèse aussi était sur la question de la violence au milieu scolaire, en primaire. Dans les références qui ont été données tout à l'heure, il y a le livre qui avait été tiré de cette thèse, « La violence dans la classe, les réponses des experts du primaire ». Et donc, par rapport à la tradition méthodologique d'Éric Debarbieux et de Cécile Cara, moi je m'inscris dans une autre tradition méthodologique qui est celle du terrain, où on va dans les classes et on va regarder totalement dans les classes. Vous avez une approche qui est par les statistiques, par les enquêtes de victimation, donc des grosses enquêtes qui essayent de dégager des grosses tendances. Et puis vous avez une autre tradition, on pourrait dire ethnographique, qui va au plus près des classes, au plus près des institutions, dans le quotidien, et qui essaye de finalement de prendre chaque situation dans une singularité qui n'appartient qu'à elle. Donc c'est à cette deuxième tradition que moi je me réfère et que nous nous référons aussi dans notre approche du phénomène du bouc émissaire. Alors, si je devais répondre à la question brutale qui nous est posée, le phénomène du bouc émissaire est-il en recrudescence à l'école? Je dirais oui, et je vais essayer de le démontrer. Je dirais oui, parce que les indicateurs qui construisent le phénomène du bouc émissaire nous indiquent que, à l'école, comme ailleurs dans d'autres institutions, comme ailleurs dans le monde du travail, comme ailleurs dans le monde sociétal, le phénomène du bouc émissaire est un phénomène qui est en recrudescence, et je vais essayer de voir ça avec vous. Alors, vous avez compris, je suis donc maître de conférence en sciences de l'éducation à l'université Lille 3. Depuis plusieurs années, je travaille sur la question du bouc émissaire, en institution, dans le monde du travail, plus largement partout où il peut se développer, mais à partir effectivement d'un ancrage qui est celui de ma section universitaire, c'est-à-dire les sciences de l'éducation, et donc d'abord dans le monde éducatif. Nous avons constitué, avec des anciens étudiants de Master 2, un collectif qui s'appelle le collectif Cerbère, Conseil, Études, Réflexion sur le bouc émissaire réel et symbolique, Cerbère, qui a vocation à créer du savoir sur ce phénomène du bouc émissaire à différents endroits de la société, pas uniquement le champ éducatif ou scolaire, mais plus largement, puisque dans notre groupe, nous avons maintenant des personnes qui viennent de tout le monde, y compris le monde de l'entreprise. Voilà. Donc, ce collectif Cerbère, si ça vous intéresse, organise une journée le 12 mai à venir à la Maison de la Recherche qui va s'appeler Apport conceptuel pour comprendre les situations professionnelles. En d'autres termes, nous faisons appel à des chercheurs qui travaillent sur un concept spécifique
qui peut, d'une manière ou d'une autre, éclairer les situations professionnelles, évidemment au regard de la problématique du bouc émissaire. Donc cette journée, elle fait suite à une autre journée de l'année dernière et s'inscrit dans une tradition maintenant que j'espère qui durera longtemps, que j'espère longue, pour tous les ans venir apporter une petite pierre à l'édifice de cette construction intellectuelle autour du bouc émissaire, avec une vocation, un débouché très pratique qui est l'observatoire du bouc émissaire. Donc nous avons créé parallèlement à ça l'observatoire du bouc émissaire. Il y a un site, vous pourrez regarder sur internet, où finalement l'objectif de l'observatoire du bouc émissaire, c'est de vulgariser les travaux scientifiques et académiques de ce fameux collectif Cerbère. Nous créons du savoir académique, nous allons dans les colloques, nous communiquons, nous écrivons d'un point de vue académique, et puis à un moment nous transposons ça en termes de... dans le terme scientifique, c'est la vulgarisation, mais on pourrait dire que c'est une adaptation au monde de tous les jours de chacun d'entre vous, y compris avec les réponses qu'on peut y apporter. Donc, dans l'interaction qu'on va avoir, vous pourrez m'interroger sur, évidemment, quelles réponses on peut apporter au phénomène du bouc émissaire en milieu scolaire. L'année dernière, nous avons été invités à la Ferthèse d'Arras, où justement la conférence était centrée sur le bouc émissaire, comment s'en sortir, et donc nous avons évoqué des stratégies individuelles, collectives, institutionnelles, qui permettent soit d'éviter le phénomène du bouc émissaire, soit de le freiner, et en tout cas d'éviter l'émergence de la figure du bouc émissaire. Alors, pour parler du bouc émissaire, il faut... Vous avez compris que nous avons des indicateurs, nous avons une grille de lecture des institutions qui nous permet de voir où, dans une classe, dans une école, dans une institution, où est-ce qu'on en est par rapport au phénomène du bouc émissaire. Donc je vais évoquer avec vous ces indicateurs-là. Auparavant, je voudrais vous mettre en garde et se dire que lorsqu'on veut travailler la question du bouc émissaire dans une dimension pragmatique, il faut éviter un écueil. Cet écueil-là, c'est l'écueil de la simple ou la seule, on pourrait dire, la seule moralisation. C'est-à-dire qu'à un moment, effectivement, dans le phénomène du bouc émissaire, on peut dire aux gens, attention, c'est pas bien ce qu'on est en train de faire, on est en train d'exclure quelqu'un, on est en train d'en faire un bouc émissaire. D'accord, mais ça résout pas le problème. À un moment, ça renvoie quand même les individus à leur propre responsabilité d'individu, et notamment aux logiques dans lesquelles ils sont eux-mêmes engagés, mais pour autant, ça ne règle pas le problème sur le fond. Donc, méfions-nous de cette simple moralisation. Et donc, du coup, ça veut dire, le corollaire, que nous étudions le phénomène du bouc émissaire d'un point de vue technique, comme un mécanisme. Et un mécanisme qui est, d'après nous, c'est notre hypothèse de base, inévitable dans les groupes. Et ce mécanisme-là, dès lors que c'est une mécanique, eh ben, on le prend comme tel et on ne peut se contenter de dire ben, « c'est pas bien », parce qu'on est bien d'accord que c'est pas bien. Mais si c'est un mécanisme qui est inévitable, le fait de dire « c'est pas bien », ça ne nous fait pas beaucoup avancer. Donc voilà la précaution, on pourrait dire, déontologique que je vous propose. Le phénomène du bouc émissaire est un phénomène qui est parfois très douloureux pour les individus, pour les groupes et pour les institutions. Il n'empêche qu'avoir un regard distancié, technique sur le phénomène, nous permet d'y répondre davantage que si nous sommes simplement dans des incantations moralisatrices. Alors, je vous propose deux définitions du phénomène du bouc émissaire qui sont complémentaires, mais peut-être auparavant, je voudrais vous dire que, de même que la violence au milieu scolaire ne date pas d'aujourd'hui, et que on pourrait même remonter avant Louis le Grand, vous avez dans des textes grecs, sur leur forme scolaire évidemment de l'époque, des narrations de situations violentes, le phénomène du bouc émissaire, c'est un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui. Je dirais même que c'est un phénomène, je vous ai dit, il est inévitable, mais je dirais même qu'il est universel et qu'il est intemporel. En d'autres termes, les anthropologues qui ont réfléchi à la question du bouc émissaire l'ont trouvé sous toutes les latitudes
et à toutes les époques. Et donc, c'est pour ça que, modestement, on peut se demander pourquoi, comment est-ce que nous pourrions éviter ce phénomène alors que les autres y ont été confrontés depuis la nuit des temps. Par contre, comment nous pouvons y répondre, ça va être une question qui va être beaucoup plus intéressante. Et si on regarde dans l'histoire, vous avez régulièrement, dans toutes les périodes, que ce soit chez les Grecs, que ce soit chez les Romains, que ce soit en France, chez nous, sous les rois de France, que ce soit sous l'Empire, la mère de Napoléon a été considérée comme un bouc émissaire de son époque, que ce soit ensuite sous la Restauration, etc., etc., et sous la République, évidemment, l'affaire Dreyfus étant l'affaire emblématique de la question du bouc émissaire, on s'aperçoit que, de tout temps, cette question-là, elle est récurrente. Et si elle est récurrente, c'est pas pour rien. Si elle est récurrente, c'est qu'à un moment, on n'échappe pas à certaines problématiques. Et je pense qu'on n'échappe pas à certaines problématiques. Alors, je vous propose donc deux définitions. La première définition, elle est centrée sur la figure du bouc émissaire, c'est-à-dire celui qui, peut-être parmi nous, va émerger comme incarnant le bouc émissaire. Et puis, je vais vous proposer une deuxième définition, qui, elle, est une définition qui se centre non pas sur la personne, mais qui intègre la personne dans un processus qui est le processus qui s'impose à l'ensemble du collectif. Vous voyez la différence ? Évidemment, il y a des articulations entre les deux, mais évidemment aussi, il y a des distinctions à faire, notamment en termes d'intervention. Alors, la définition qui définit la figure du bouc émissaire, donc la personne qui peut devenir bouc émissaire dans un groupe, c'est celle-là, est bouc émissaire celui qui, au prix de son exclusion, est l'instrument de la réconciliation du membre du groupe, des membres du groupe. Je répète doucement, est bouc émissaire celui qui, au prix de son exclusion, est l'instrument de la réconciliation des membres du groupe. Et si vous voulez vous ancrer une image très simple du bouc émissaire, vous regardez les albums d'Astérix et Obélix, vous regardez la dernière image, toujours la même, toujours la même, vous avez le barde, Assurance Touriste, qui est exclu du groupe, et vous avez le groupe qui se réconcilie, qui fait le festin. Eh bien, on a là la quintessence du phénomène du bouc émissaire. Grâce à l'exclusion du bouc émissaire, eh bien, le groupe peut se réconcilier. Alors, ça va être très intéressant. On va pas développer l'histoire d'Astérix, mais on a vraiment là, et on peut faire référence à plusieurs albums, on a vraiment là la logique du bouc émissaire. À un moment, le groupe va être confronté à des difficultés telles que pour pouvoir s'en sortir, il va avoir besoin de se réconcilier sur le dos de quelqu'un. Voilà dit de façon simple ce que c'est que le bouc émissaire. Et ce quelqu'un, là, c'est le barde. Alors ça va être très intéressant de se demander comment le barde devient bouc émissaire. Deuxième définition, celle qui est centrée sur le processus, et après je développerai un peu la première et je reviendrai à la deuxième. Sur le processus, finalement, le bouc émissaire, c'est un processus de réconciliation collective. Ce qui va nous permettre de faire la différence peut-être avec la tête de Turc et le souffre-douleur. Réconciliation collective, momentanée, puisque ça revient à tous les épisodes chez Astérix. Hein. Donc elle est momentanée, la réconciliation. Réconciliation collective, momentanée, fondée sur l'exclusion, on l'a vu, c'est le barde, et rajoutons quelque chose de fondamental, la substitution. C'est-à-dire que le barde, en vérité, se substitue à quelque chose qui le dépasse. Fondé sur l'exclusion et la substitution. Alors, comment est-ce qu'on devient bouc émissaire ? Comment est-ce qu'une personne devient bouc émissaire ? Eh bien, il y a une construction qui se fait en trois étapes. Et cette construction-là, évidemment, vous pouvez regarder dans une classe, dans une équipe pédagogique, dans un collège, un lycée, une école, n'importe où, vous pouvez regarder où on en est de ces étapes-là. Première étape, c'est ce qu'on appelle une étape de discrimination.
La discrimination nous renvoie non pas dans notre approche à la sociologie des inégalités, mais à la psychologie des apprentissages. Vous savez, en maternelle, on apprend aux élèves à discriminer le rond du carré en leur disant « c'est pas pareil ». Le bleu, le rouge, c'est pas pareil. Ça, c'est ce qu'on appelle la discrimination. Eh bien, la première étape dans la construction du bouc émissaire, c'est cette étape de discrimination où, consciemment ou inconsciemment, on se rend compte que nous sommes différents les uns des autres. Et nous voyons des gens qui ont ce qu'on appelle des signes distinctifs. Alors, il y a les signes distinctifs qui sont directement apparents. L'homme, la femme, le grand, le petit, le gros, le maigre, le blanc, le noir, etc., etc. On a des signes distinctifs qui sont directement apparents. Et puis, il y a des signes distinctifs qui apparaissent petit à petit, les traits de caractère parfois fluctuants en fonction des situations, etc., etc. Il faut avoir conscience que, a priori, lorsque tout va bien dans un groupe, cette discrimination n'a pas d'effet immédiat. C'est-à-dire que, qu'on soit petit, qu'on soit grand, qu'on soit âgé, qu'on soit jeune titulaire ou très ancien, a priori, s'il n'y a pas de problème dans le groupe, eh bien, on se contente de voir les distinctions. Les signes distinctifs sont, à ce moment-là, neutres. Mais sachons aussi que, par nos histoires de vie, nos expériences, nous avons des représentations qui ne sont pas forcément émergées et qui ne sont pas forcément conscientes, qui fait quand même que, parce que nous avons vécu, nous savons que, dans notre histoire de vie, c'est plus facile de travailler avec quelqu'un d'expérimenté, ou au contraire, plus facile de travailler avec quelqu'un de jeune. Que c'est plus facile de travailler avec des hommes, ou plus facile de travailler avec des femmes, dans nos propres histoires. Ça veut dire que, inconsciemment, on se construit des représentations qui, inconsciemment ou consciemment, qui, en fait, sont ce qu'on appelle les a priori. Les a priori sur les gens. Ces a priori-là, tant que le groupe va bien, tant que nous allons bien, on les met de côté. Et à un moment, peut-être, ils vont ressortir. Donc, première étape, discrimination, c'est une étape qui, a priori, est neutre, où on se contente de distinguer. Et donc, dans vos classes, eh bien, vous voyez bien, on a celui qui parle beaucoup, celui qui ne parle pas beaucoup, celui qui fait ses devoirs, celui qui ne fait pas ses devoirs, celui qui arrive toujours en avance et celui qui se met au premier rang. Enfin, bref, voilà, ça, ce sont des signes distinctifs. Il n'y a pas forcément de jugement sur ces éléments-là. Deuxième étape, c'est l'étape de stigmatisation. C'est-à-dire qu'en fonction des difficultés que nous rencontrons dans le groupe, donc le prof avec les élèves, ou les profs avec les profs, ou avec la hiérarchie, peu importe, en fonction des difficultés qu'on rencontre dans le groupe, nous attribuons une valeur positive ou négative aux signes distinctifs de la première étape. Et donc, certains signes deviennent ce que l'on appelle des signes victimaires. Et donc, on va reprocher à quelqu'un, ah ben c'est normal, celui-là, c'est un jeune titulaire, il sait rien, et en plus il la ramène, donc il nous met dans la panade. Signe distinctif devenu victimaire. Mais inversement, ça pourrait être la même chose avec les anciens. Oh, celui-là, il est vieux, il est trop vieux, il comprend plus rien au monde d'aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'il nous met dans la panade. Vous voyez, au début, on a un signe distinctif, jeune ou vieux. Ce signe distinctif, en fonction des dynamiques de groupe, va devenir un signe distinctif plus ou moins victimaire. Les signes distinctifs peuvent évoluer dans le temps, heureusement. Ce sera d'ailleurs une des pistes d'action. Comment transformer un signe distinctif en un signe positif? Comment valoriser une différence, par exemple? Bref, deuxième étape, étape de stigmatisation. Il est très important de se dire que la stigmatisation, et c'est peut-être là qu'on peut faire un lien avec le harcèlement, la stigmatisation systématique devient du harcèlement. On le reverra à d'autres moments. La stigmatisation, et en tout cas cette stigmatisation, procède de la logique qui va permettre l'exclusion, qui est le troisième élément, qui est une logique d'affaiblissement du bouc émissaire. Et donc là, j'attire votre attention sur quelque chose de vraiment important. Le bouc émissaire n'est pas quelqu'un de faible, c'est quelqu'un qui est affaibli. Et vous verrez que dans nos indicateurs qui nous montrent que le phénomène du bouc émissaire est en recrudescence à l'école, eh bien, on s'aperçoit que parfois, le bouc émissaire est au contraire quelqu'un qui au départ est très très fort, mais qui, à force d'être
stigmatisés, accusés, à qui on fait des reproches, à qui on trouve tous les défauts de la Terre, ben, petit à petit, il est affaibli, et il est affaibli au point d'être exclu. C'est le troisième élément. Discrimination au début, stigmatisation ensuite, exclusion. Et c'est cette exclusion qui permet la réconciliation des membres du groupe. Voilà très rapidement pour la figure du bouc émissaire. Maintenant, le processus du bouc émissaire, celui-là, il est un tout petit peu plus complexe parce qu'au lieu de se développer en 3 étapes, lui, il se développe en 7 étapes. Et vous allez voir, c'est la vie des groupes, tout simplement la vie des groupes confrontés aux difficultés que tout groupe comprend. Première étape, c'est une étape qui est une étape apaisée. Tout groupe, à un moment, connaît, de façon plus ou moins longue, une étape apaisée. Et donc, là, nous sommes dans un groupe qui est apaisé. Apaisé, parce que ben, il n'y a pas de difficulté a priori. La phase apaisée correspond à la phase de discrimination de tout à l'heure. Donc, de la même façon que moi, je repère chez vous ceux qui sont en train de prendre des notes, ceux qui écrivent sur les ordinateurs, ceux qui sont en train de bâiller, ceux que j'imagine en train de jouer à autre chose plutôt que de prendre des notes, ceux qui sont en train de faire... Voilà, j'attribue des signes distinctifs à vous que je vois, tel que je vois. De la même façon, vous êtes en train de m'attribuer des signes distinctifs sur mon apparence physique, la façon dont je parle, ce que je vous raconte, etc. Toutes ces choses-là. Donc, la phase apaisée, elle permet simplement de se faire une idée sur qui nous sommes. Et la phase apaisée, évidemment, plus elle est longue, cette phase apaisée, et plus elle permet de valider les signes distinctifs que l'on se fait des uns et des autres. C'est-à-dire que là, en un quart d'heure ou une demi-heure, ceux qui prennent des notes, bon, ben, je vois qu'ils prennent des notes par ordinateur ou sur leur papier. Si notre phase apaisée dure 3 heures, 6 heures, 15 jours, 50 jours, je vais avoir une affirmation de ce signe distinctif et je vais le nuancer. Et ceux qui sont en train, qui paraissent inattentifs ou dissipés, ben peut-être qu'au contraire, sur le long terme, ça va changer. Donc, la phase apaisée permet non seulement de définir les signes distinctifs, mais plus elle est longue, plus elle permet de les affiner et de les affirmer, ces signes distinctifs. C'est la raison pour laquelle, dans une classe, quand on a le loisir d'avoir une classe suffisamment calme au début, eh ben, on peut repérer des points d'appui comme ça chez les uns et chez les autres, dès lors que les signes distinctifs seront des signes qui s'avéreront justes. Deuxième étape, c'est l'étape qui est l'apparition des obstacles. Aucun groupe ne fonctionne sans difficulté à surmonter. Des difficultés plus ou moins importantes. Et donc, vous avez vu, l'élève qui refuse de travailler, l'enseignant qui a la voix au perché, donc des difficultés, de même que nous, si nous restons longtemps entre nous, peut-être qu'on va finir par avoir froid, peut-être qu'on va finir par s'ennuyer, peut-être que, ou on a peut-être déjà commencé d'ailleurs, peut-être que, il y a plein de choses qui vont venir faire qu'on va avoir des difficultés, des obstacles. Et bien là, vous avez 2 solutions. Ou bien, les obstacles, on les traite, et si on les traite, eh bien, d'une certaine manière, on repasse à la phase apaisée. Voilà, on a une difficulté, on en parle. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, alors vous devez parler de l'école, puis finalement, vous ne nous parlez que du bouc émissaire. Elle est où l'école, là-dedans, dans ce que vous racontez? Parlez-nous un peu de l'école. On nous dit ça. Eh bien, voilà, parlons-en, et puis moi, je vous dis, ben, allons-y, allons-y. On règle le problème. Ou bien, on ne règle pas le problème, ou on le règle partiellement, ou on le règle mal, et sur la base des obstacles qui sont mal franchis ou pas franchis, se développe la dynamique du bouc émissaire à travers des difficultés qui vont, parce qu'elles ne sont pas traitées, puis parce qu'elles ne sont pas dites, vont petit à petit alimenter des difficultés telles qu'on ne pourra plus les aborder ensemble,
ce que René Girard appelle de façon magistrale les antagonismes réels, les vrais problèmes au sein du groupe, ceux qui vont devenir tellement ancrés qu'on ne pourra plus les aborder, et que, en langage institutionnel, nous nous appelons les tabous institutionnels. Si nous ne parlons pas des difficultés, si nous ne nous, nous attaquons pas aux difficultés au jour le jour, telles qu'elles se présentent, eh bien nous allons alimenter petit à petit des tabous institutionnels, et ça va être la raison d'être du bouc émissaire que de préserver ces tabous institutionnels. Il va arriver un moment dans les groupes où si on se parle vraiment, si on met vraiment les choses sur la table, eh bien le groupe risque d'exploser. Alors plutôt que d'exploser, eh bien on va plutôt préserver ces tabous-là et nous intéresser aux bardes plutôt que de nous intéresser aux vrais problèmes du groupe. Deuxième étape donc, c'est l'étape des obstacles, l'apparition des obstacles. Donc vous avez compris que à cette étape-là, on a une sorte de charnière. Ou bien on aborde les questions et on peut régler le problème, ou bien on n'aborde pas les questions, on ne les résout pas, et donc on va vers le phénomène du bouc émissaire. Et donc c'est cet embrayage-là que je vous propose d'analyser à travers notamment la troisième étape. La troisième étape, eh bien ça va être justement pour préserver ces tabous, pour ne pas avoir à aborder ces difficultés-là, eh bien nous allons rechercher le bouc émissaire. Et nous allons attribuer les signes victimaires sur des choses plus ou moins fantasmées, plus ou moins réelles, plus ou moins construites, plus ou moins donc conscientes ou inconscientes, sur une personne, deux personnes, trois personnes. Cette phase de recherche du bouc émissaire, c'est une phase qui est une phase de reproche désordonnée. Tout le monde, potentiellement, peut accuser tout le monde de différentes choses. « Ah ben oui, moi je travaille pas bien dans ma classe parce que celui-là, il parle tout le temps, ou parce que celui-là, il embête l'autre, ou évidemment, ceux-là, ils viennent de tel quartier, alors ils pourrissent la vie de tout le monde. Ah, et puis la formation est pas... » Bref, on accuse un peu tout le monde. Tout le monde, potentiellement, accuse tout le monde. Phase de reproche désordonnée. La phase suivante, c'est la phase de désignation du bouc émissaire. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit dans cette logique-là que, petit à petit, les reproches se focalisent sur de moins en moins de personnes. Et donc, la phase de désignation, ça va être de plus en plus d'accusateurs, sur de plus en plus d'objets de reproches, fait de plus en plus fréquemment, peut-être la question du harcèlement, fait de plus en plus brutalement, sur de moins en moins de personnes. Et donc, petit à petit, là où dans la phase précédente, tout le monde pouvait être accusé, ben, petit à petit, il n'y a plus que 2, 3, 4, peut-être 4, puis 3, puis 2, puis 1, qui va focaliser sur lui toutes les rancœurs du groupe. Et donc, c'est très intéressant de regarder, situation par situation, ce qu'on reproche aux uns et ce qu'on reproche aux autres. Ce qui est très intéressant, c'est de se dire que il y a des reproches qui sont légitimes et des reproches qui ne sont pas légitimes. C'est-à-dire que dans une classe, quand vous avez un élève qui, à qui vous pouvez reprocher quelque chose, celui qui ne fait pas son travail, eh ben, on peut légitimement lui reprocher de ne pas faire son travail. Ça va être le signe devenu victimaire. Et puis si celui-là, ses collègues, lui reprochent aussi d'autres choses, ben, petit à petit, il va avoir de plus en plus de choses qui vont venir se focaliser sur lui. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le bouc émissaire, dans cette, à cette étape de désignation, on ne peut pas l'accuser de n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir une base pour pouvoir l'accuser. Autrement, on dirait, ben, on fait n'importe quoi, c'est pas possible. Non. À un moment, on a une base, sinon rationnelle, au moins rationalisée des accusations vis-à-vis du bouc émissaire. Et donc, dès lors qu'on décide que quelqu'un est porteur de difficultés comme ça, eh ben, on fait en sorte qu'il le soit. Et il le devient. Et il le devient. Donc ça, c'est la phase de désignation. La phase suivante, c'est la phase d'emballement mimétique. L'emballement mimétique, c'était un terme de René Girard. Emballement, les choses s'emballent, ça va de plus en plus vite. Mimétique, on est dans le mimétisme, on est dans l'imitation des accusations de l'autre. Et donc, généralement, eh ben, il y en a un qui porte une première accusation et les autres embrayent
et de plus en plus vite, sur la même modalité, et de cette façon-là, eh ben, la personne elle est entraînée. Vous avez, puisque maintenant j'ai en tête les histoires d'Astérix, vous avez dans Astérix et les Pictes une image très intéressante par rapport à ça. Les Pictes, c'est un Astérix qui est sorti il n'y a pas longtemps chez les Écossais. Et donc, vous avez un truc très intéressant, vous avez tous les chefs écossais qui sont réunis et qui disent qu'ont plein de dissensions entre eux, donc qui cherchent un bouc émissaire, et ils se disent « il faut attaquer les Romains ». Les Romains, vraiment, ils nous pourrissent la vie, ils sont chez nous, ils nous embêtent, donc bouc émissaire externe, ils se cherchent un bouc émissaire. Et puis vous en avez un dans l'Assemblée qui dit « moi, je suis neutre ». Le gars est neutre, donc il ne veut pas y aller. Et la chose très intéressante par rapport à l'emballement mimétique, c'est que l'image d'après, vous voyez tous les chefs écossais qui foncent sur les Romains, et vous avez celui qui est neutre, qui est entraîné avec eux, et qui dit « mais moi je suis neutre ». Donc ça veut dire que vous avez des dynamiques internes dans les groupes qui font qu'à un moment, même si vous n'êtes pas volontaire, ben vous êtes entraîné avec les autres. Et René Girard va même plus loin, puisqu'il vous dit « à un moment du phénomène, prendre le parti pour le bouc émissaire, c'est prendre le risque d'être soi-même bouc émissaire ». Et donc ça veut dire que si on doit intervenir sur ce phénomène-là, il vaut mieux intervenir avant la fameuse phase d'emballement mimétique, parce que cette phase-là, eh ben, c'est une phase qui, évidemment, est une phase de désordre dans le groupe. La phase suivante, et c'est l'avant-dernière, c'est la phase de dénouement. René Girard appelle ça une phase de sacrifice, mais nous sommes plus optimistes que lui, et nous pouvons faire le pari qu'il y a des dénouements positifs pour, et nous l'avons vu d'ailleurs, hein, il n'y a pas longtemps dans un collège, où une équipe éducative était en train vraiment de stigmatiser un des collègues, et à un moment, le principal tape du poing sur la table, il rompt l'emballement mimétique, rupture de l'emballement, oh stop, arrêtez, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Du coup, effet de sidération dans l'équipe, tout le monde réfléchit, mais ouais, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Alors celui-là, vous êtes en train de dire que ça. Et les gars disent, ah ben ouais, non, ben c'est vrai, c'est peut-être pas de sa faute. Donc du coup, le gars devient innocenté. C'est-à-dire que dans la phase de dénouement, on peut innocenter le bouc émissaire de ce qu'on lui reproche, mais hélas, on a vu à d'autres moments, Cécile Cara évoquait des cas de démission, mais on a vu des cas de suicide, des personnes qui vont jusqu'au bout de l'extrême. Et René Girard, encore lui, nous dit que lorsque un groupe pousse l'un de ses membres à se suicider en dehors, donc le sacrifice en dehors du lieu même du groupe, c'est-à-dire chez lui, hein, chez lui dans la rue, ailleurs, eh bien le groupe n'est même pas porteur de la culpabilité de ce qu'il a fait et renvoie à la personne son acte. Donc la phase de dénouement, vous voyez, elle peut être positive, on peut innocenter, et elle peut être dramatique, ça peut aller jusqu'au sud, et entre les deux, ben, vous avez tout ce qui est possible, hein. Tout ce qui est possible, y compris d'ailleurs dans certaines institutions, mettre les gens au placard ou leur donner un placard doré, les faire sortir de l'institution soit par le haut, soit par le bas, les muter, enfin il y a tout ce qu'on peut imaginer comme qu'il y a un spectre très large des réponses à ce moment-là en termes de dénouement. Et puis la dernière phase, la phase ultime, ben, c'est la phase d'apaisement. C'est-à-dire que le groupe, là, psychiquement, socialement, par ses activités, par son énergie, a dépensé énormément de force. Et donc, à un moment, il faut que les choses s'apaisent. Le calme après la tempête. On a besoin de souffler. On a passé un cycle difficile. C'est la phase où on se réconcilie aussi. Apaisement, réconciliation. Et puis après, eh ben le cycle repart. Pourquoi est-ce que le cycle repart? Ben parce que les fameux tabous n'ont pas été abordés. Et donc, tant que ces tabous ne sont pas abordés, eh ben, ça va continuer. Qu'est-ce que c'est que... Sur quoi se basent ces tabous? Ben vous avez deux sortes de tabous. On pourrait dire qu'il y a deux sortes de tabous. Il y a des tabous qui sont un petit peu superficiels et qui sont liés, finalement, à ce que les individus sont
dans leur petitesse peut-être, leur modestie, leur finitude d'être humain. On parle de rivalité mimétique, de rivalité. C'est-à-dire qu'on est toujours le rival de l'autre, on se compare toujours à l'autre, et même pire que ça, parfois, on est jaloux de l'autre. On aimerait avoir ce que l'autre a. Et ça, c'est pas tellement admissible, c'est pas tellement politiquement correct. Alors du coup, on essaie de l'effacer un peu. Et on essaie d'oublier ça. Mais quand même, l'autre, il a les bons horaires, il a les bonnes classes. Oh, il a même peut-être une prime de je sais pas quoi, il a peut-être une prime d'encadrement. Et puis, lui, il est toujours un professeur principal, il a des sous en plus. Oh, qu'est-ce que... Bon, rivalité. On aimerait bien être à la place de l'autre. On aimerait bien même, parfois, René Girard va dire, on aimerait bien être l'autre. Être l'autre. On en vient à confondre parfois ce que l'autre a avec ce que l'autre est, y compris en institution, dans son statut, dans son pouvoir. Donc ça, c'est les tabous qui nous guettent tous dans notre finitude d'être humain. Et puis, à côté de ça, il y a les logiques institutionnelles qui font que nous sommes renvoyés à la réalité, parfois peu glorieuse, des valeurs de notre institution avec les réalités de ce que nous sommes. Vous évoquiez la question de la formation tout à l'heure. Il est évident que si on commence à réfléchir vraiment à la question de la formation... On peut pleurer, parce qu'on est formé à quoi ? Et moi-même, qui participe à beaucoup de formations, je m'aperçois que les trois quarts du temps, les formations auxquelles on nous demande de participer, ce sont des vitrines de formation. Et que la question, y compris celle du bouc émissaire, lorsque on n'est pas dans un réel accompagnement des groupes, c'est simplement histoire de dire, ça y est, vous êtes formé à la question du bouc émissaire, terminé, c'est bon. Vous ne pourrez pas dire que vous n'êtes pas... Mais en vérité, qu'est-ce qu'on travaille réellement ? Alors allons un tout petit peu plus loin. Regardons votre institution. Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que nous avons fait ? Qu'est-ce que la forme institutionnelle a fait de ce beau concept d'éducabilité ? En quoi, aujourd'hui, notre forme scolaire, nos vocations individuelles, répondent à la question de l'éducabilité ? Si vraiment on se pose cette question-là, on fait exploser le système. Ça devient des tabous. Ça, ce sont des tabous. Et ce qui est vrai pour vous, c'est vrai aussi pour l'hôpital. Qu'est-ce qu'on soigne à l'hôpital ? C'est vrai aussi pour pratiquement toutes nos institutions aujourd'hui. Et on pourrait même dire que plus l'institution est ancienne, et plus ces tabous sont ancrés, c'est-à-dire qu'au regard de besoins initiaux et même de formes institutionnelles initiales, aujourd'hui... Plus l'institution est vieille, plus l'écart s'est construit, s'est creusé même, au point que ces valeurs-là, elles sont bien souvent oubliées, qu'on ne répond plus vraiment aux besoins de la société, etc. etc. Aujourd'hui, excusez-moi de vous le dire, mais quand même, même aujourd'hui, alors qu'on est à l'heure du zapping, les enseignants de primaire avoir toute l'année les mêmes élèves, il y a des côtés sécurisants, rassurants, mais... Il faut de l'ingéniosité pour pouvoir modifier en permanence les choses. Vous avez des élèves qui sont capables de se concentrer 3 minutes, et vous êtes obligé de les avoir 1 heure, parfois 2. Donc, comment aujourd'hui, la forme scolaire génère l'échec scolaire, le décrochage, la violence scolaire ? Aujourd'hui, si on réfléchit vraiment à ça, si nos institutionnels réfléchissent vraiment à ça, ils sont obligés de transformer la forme scolaire. Et ça, c'est impossible. Ça nécessiterait tellement de choses. Il y en a un qui voulait faire maigrir le mammouth, non, je ne me rappelle plus, dégraisser le mammouth. Il se trompait. Parce que un mammouth maigre, ça ne sert à rien. Un mammouth maigre. Ce qu'il faut, c'est que ça devienne un jaguar, un guépard, je ne sais pas quoi, quelque chose de rapide. Mais un mammouth aujourd'hui, un animal préhistorique, dans le monde contemporain, même maigre, ne sert à rien. Donc ça ne servait à rien de le faire maigrir, lui. Par contre, le transformer en un animal plus rapide, là, pourquoi pas ? Mais c'est une autre façon de voir les choses. Bref, tout ça, ce sont des tabous qui sont vraiment ancrés au cœur des institutions. Et si nous parlons vraiment de ça, le groupe explose. Alors,
eh ben, on va accuser les élèves de SECPA, on va accuser certains éléments, on va accuser le chef d'établissement de ne pas être comme il faut, on va accuser le collègue de ne pas faire son travail, on va accuser de pas remplir les, on va accuser de pas remplir les évaluations, on va accuser les élèves de pas... Bref, des choses qui, par ailleurs, peuvent être réelles, mais qui, en soi, ne constituent pas le vrai problème, les vrais tabous. Alors, qu'est-ce qui nous fait dire que le phénomène est en recrudescence ? Ben, on a quatre indicateurs, nous, qui nous montrent que, qui sont des grilles de lecture qu'on applique à n'importe quelle institution et qu'on peut appliquer, et qu'on applique d'ailleurs au monde scolaire lorsqu'on en a besoin. Le premier indicateur, c'est la fréquence du phénomène. La fréquence du phénomène. Donc, vous avez compris le cycle, là, en sept étapes. Eh bien, plus une institution va mal, et plus le phénomène il est fréquent. Donc plus on a besoin d'exclure des individus. Et quand Cécile Cara nous dit qu'il y a eu je ne sais pas combien d'exclusions, là, une explosion des exclusions, eh ben, ça veut bien dire que le phénomène il est en recrudescence. Quand on nous dit qu'il y a beaucoup d'enseignants qui démissionnent, eh ben, ça veut dire que le phénomène est en recrudescence. Quand on nous dit qu'il y a certaines, il y a certains statuts, certaines fonctions qui ne veulent plus être prises en charge par des personnes, ben, ça veut dire que ces fonctions-là, ces statuts-là, focalisent sur elles le phénomène du bouc émissaire. Donc, la fréquence du phénomène est un indicateur pertinent pour dire qu'aujourd'hui, dans le monde scolaire, mais il n'y a pas que le monde scolaire, dans le monde scolaire, le phénomène est en recrudescence. Ça, c'est le premier indicateur. Le deuxième indicateur, c'est le sort qui est réservé à la victime. Et de fait, donc, le sort réservé à la victime, c'est que plus le sort est brutal, injuste, violent pour le bouc émissaire, et plus l'institution va mal. Et de fait, vous avez de plus en plus de jeunes qui sont réellement stigmatisés par leurs camarades, vous avez des collègues qui sont réellement exclus par les équipes éducatives, vous avez des responsables hiérarchiques qui sont en longue maladie, comme des collègues ou comme des jeunes. Donc ça veut dire que le sort, lui aussi, là où il y a une dizaine d'années, on était confronté à un sort relativement doux, du phénomène, là on peut dire que si on regarde le nombre d'arrêts de maladie, de dépressions réelles et longues, le nombre, j'évoquais les cas de suicide, le nombre, nombre d'exclusions brutales, eh bien on peut dire que le phénomène il est en recrudescence. Le troisième indicateur du phénomène qui nous montre si l'institution elle est en bonne santé ou pas en bonne santé, c'est le poids réel et symbolique, on pourrait dire le pouvoir réel et symbolique du bouc émissaire. Je vous ai dit que le bouc émissaire, c'est un phénomène d'affaiblissement des personnes. Eh bien, on considère que dans une institution, plus le bouc émissaire a un poids, a du pouvoir réel ou symbolique au début, et plus l'institution va mal. Pourquoi ? Ben parce que si on est obligé, dans le collège, de sacrifier le principal, si dans le lycée on est obligé de sacrifier le proviseur, si à l'école primaire on est obligé de sacrifier le directeur, ben ça veut dire qu'il y a plein de choses à réorganiser. Et plus il y a de choses à réorganiser, et donc plus ça veut dire que ça va mal. Lorsque, si on prend l'exemple historique de la Révolution française, si à un moment il faut couper la tête du roi pour qu'il y ait une réconciliation nationale, ben ça veut dire que ça va très mal. Hein. Il a fallu reconstituer toutes les institutions, les modalités, etc. etc. Et bon, on a un éminent historien, mais on peut considérer à un moment que Louis XVI a payé certes pour ce qu'il était, mais a payé aussi pour tous les antagonismes et les tabous de cette société de l'époque, y compris les rivalités entre les bourgeois, etc. etc. Donc, dans nos institutions, eh ben, hélas, on s'aperçoit, alors hélas, je reprends le début mon propos du début, non pas d'un point de vue moral, mais hélas, d'un point de vue technique, c'est bien souvent des leaders de classe quand c'est chez les élèves, bien souvent des profs exposés, bien souvent des personnels administratifs ou des principaux qui deviennent le bouc émissaire. Donc on s'aperçoit que aujourd'hui la focalisation, elle ne se fait plus sur les faibles,
elle se fait bien souvent sur ceux qui étaient forts au départ. Et on est bien d'accord qu'on n'a pas de jugement moral par rapport à ça, hein. Qu'on soit faible, qu'on soit fort, c'est pas bien. Mais d'un point de vue technique, c'est ça. Et donc, bien souvent, eh ben, c'est même parfois le préfet qui saute, ou le recteur. Voilà, bah, bouc émissaire. Quatrième et dernier indicateur qui nous fait dire que le phénomène est en recrudescence, c'est le phénomène, alors c'est un tout petit peu plus complexe à comprendre, mais en même temps, vous allez le comprendre rapidement, c'est le rapport du bouc émissaire avec la mission de l'institution. Donc vous, vous êtes prof, vous devez enseigner. Donc ça veut dire que si vous, vous êtes prof et qu'on vous sacrifie, on ne peut plus enseigner. Donc ça veut dire que ça va très mal. Vous voyez, le rapport, si à l'hôpital, on sacrifie le chirurgien, il ne peut plus opérer, ben ça va très mal. Vous voyez, donc, et là, on s'aperçoit que bien souvent, les profs, y compris dans les collectifs institutionnels, deviennent bouc émissaires, soit des autres profs, soit des élèves, soit de la hiérarchie, soit de ces éléments-là. Alors, ce n'est pas contradictoire avec l'élément précédent, hein. C'est à articuler à l'élément précédent sur le pouvoir et le statut de la personne. Et donc, le fait qu'il y ait de plus en plus de profs qui deviennent bouc émissaires des institutions, nous montre que le phénomène est en recrudescence. Je terminerai, puisqu'il me reste 5 minutes, par faire petite distinction avec deux autres figures de l'exclusion, on pourrait dire, que sont la tête de Turc et le souffre-douleur, parce que bien souvent, on confond un peu les trois. Le bouc émissaire, vous avez vu que c'est une logique qui appelle la réconciliation du groupe. Donc, double dimension, à la fois de réconciliation et à la fois collective. Si on prend celui qui est le plus éloigné de lui, ça va être le souffre-douleur. Qu'est-ce que c'est que le souffre-douleur ? Comme son nom l'indique, le souffre-douleur, eh ben, hélas, il a vocation à souffrir, comme son nom l'indique. Et que, d'une certaine manière, un souffre-douleur dans un groupe, c'est une sorte de pathologie de la relation. On a toujours, entre deux individus, des domaines où l'un domine un peu l'autre. Le souffre-douleur, cette domination, elle va se transformer dans la relation sur de la souffrance. Et donc, plus le souffre-douleur va souffrir, et plus l'autre va être content. Et donc, il va y avoir une sorte d'alimentation comme ça, de ce cycle, où, d'une part, on n'est pas dans du collectif, et d'autre part, le fait on n'est pas forcément, en tout cas, dans du collectif, il peut y avoir un souffre-douleur de plusieurs personnes, et d'autre part, on n'aboutit pas à la réconciliation des membres du groupe, mais au contraire, on accentue, d'une certaine manière, la perversité de la relation. Donc ça, c'est une différence qui est fondamentale, et je vous invite, dans vos groupes de jeunes, à regarder celui qui va être plutôt bouc émissaire, souffre-douleur ou tête de Turc. Qu'est-ce que ça va être, la tête de Turc ? Ben, la tête de Turc, c'est simplement un défouloir, la tête de Turc. C'est celui sur lequel on passe ses nerfs. On est énervé, et donc on se défoule sur lui. C'est la tête de Turc. Historiquement, la tête de Turc, c'est pas compliqué. C'est ce qu'on appelle un dynamomètre. Dans les foires, vous avez des instruments qui sont faits, je vois qu'on connaît, des instruments qui sont faits pour mesurer la force. Et donc, soit avec une masse, soit avec le poing, on tape et puis le machin il monte et puis ça monte comme on est fort. Eh bien, historiquement, c'était une tête de Turc qui était dessinée sur ce dynamomètre. Et donc, on frappait le truc et la tête de Turc, elle montait plus ou moins. Et donc, il y a deux explications à ça. Une explication, voilà, peut-être que l'histoire va pouvoir nous éclairer. Une explication politiquement correcte. Vous connaissez peut-être l'expression « fort comme un Turc ». Fort comme un Turc. Et donc, en tapant sur le Turc, eh ben, on était aussi fort que lui. Donc, on était content, on était fort comme le Turc. Et puis, une explication politiquement incorrecte, c'est que les Turcs n'ont pas toujours été nos amis. Et ils faisaient, en tant que barbaresque, ils faisaient des razzias, ils prenaient des gens. Et donc, c'était une sorte de rétribution symbolique de ce qu'ils nous infligeaient, en frappant sur le Turc et en montrant, nous aussi, on est aussi fort que toi, on est capable de... Peu importe l'explication que vous choisirez, en fonction peut-être de vos options du moment, toujours est-il que la tête de Turc, c'est un défouloir. Et donc, ce défouloir-là,
d'ailleurs, comme le bouc émissaire, peut être symbolique. Vous sortez d'un entretien avec votre principal de collège. Principal de collège, il est trop fort, vous pouvez pas lui dire ces quatre vérités. Trop fort. Vous tombez sur un collègue jeune, vous passez ses nerfs dessus. Ou alors vous allez en classe et vous criez après les élèves. Vous vous défoulez sur eux. Un défouloir. Et donc, d'une certaine manière, on pourrait dire que la tête de Turc, c'est une sorte de bouc émissaire qui est non abouti. Puisque finalement, on se contente de se défouler, mais ça s'arrête là. Bouc émissaire, tête de Turc et souffre-douleur participent néanmoins d'une même dynamique d'exclusion. Et donc, c'est la raison pour laquelle on peut facilement les confondre. Nous avons déterminé à chacune des étapes, des sept étapes, des réponses au phénomène du bouc émissaire, que vous trouverez notamment sur le site, en partie sur le site bouc-émissaire.com de l'Observatoire du bouc émissaire, avec une vaste bibliographie qui peut vous éclairer, alors qui n'est pas que sur le champ scolaire, hein, vous avez compris, on n'est pas que sur le champ scolaire, mais ce qui se passe dans la classe, dans l'école, se passe aussi ailleurs. Je vous remercie. Vous avez dit tout à l'heure que lorsque les vrais problèmes du groupe sont traités, ça amène à l'éclatement du groupe. Ensuite, vous avez abordé l'institution, disant que, effectivement, si l'institution essaie de régler véritablement tous les problèmes liés au monde de l'école, il risque d'y avoir éclatement. Alors, comment on peut expliquer que dans certains pays, je cite la Finlande, il y a une mise à plat du système scolaire à un temps T qui a amené justement à une remise à plat de tous les éléments du système scolaire pour partir vers une autre politique scolaire et qui, on le voit, on en parle assez souvent dans les articles, qu'en Finlande, ça se passe relativement bien par rapport au reste de l'Europe. Ben, en tout cas, ce qu'on peut dire pour aborder la question des tabous, c'est qu'il faut les mettre au travail. Donc il faut certainement, plus ils sont ancrés, plus ils sont anciens, et plus il faut les mettre au travail tranquillement. Parce que de même, plus ils sont ancrés, plus ils vont avoir envie d'exploser, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc, si on veut vraiment les traiter, eh ben, il faut les aborder tranquillement, et donc peut-être après pour arriver à des réformes de fond qui apporteront une évolution positive de l'ensemble du système. Mais l'idée, c'est d'être capable de les mettre au travail dès lors qu'on les sent, dès lors qu'on les pressent même. Je ne réponds pas à votre question. Donc en fait, vous voulez dire qu'on a pris les choses un peu trop tard, contrairement à ce pays qui a anticipé. Ben, je ne connais pas le cas de la Finlande, mais certainement, c'est ça. Un pays qui est capable de réformer ses institutions, c'est quelqu'un qui est capable d'utiliser la méthode, d'abord une méthode, en fonction de la réalité des difficultés de l'institution. Donc effectivement, plus on attend, moins on en parle, moins on essaye d'avancer, parce que là on se rend bien compte que tous les petits dispositifs qu'on invente, les dispositifs relais, tous ces éléments-là dans tous les sens, ben, c'est fait pour pallier des difficultés qui sont bien plus massives. Il y a des décrocheurs, il y a 200 000 décrocheurs et on fait des trucs pour 500 personnes. Donc on est bien dans cette chose-là. On essaye peut-être un petit peu d'y toucher, mais sans vraiment y toucher. Et la vraie réforme, elle serait à faire dans les SP aujourd'hui. Peut-être même dans les modalités de recrutement, peut-être même dans... Enfin, je ne sais pas, il y a plein de choses certainement à repenser. Et puis dans la transformation, vraiment, de la forme. Regardez la forme pénitentiaire, la forme carcérale, comme ils essayent à certains moments de faire des prisons plus ouvertes. Ils mettent les tabous, c'est-à-dire que c'est ancré dans notre esprit que la prison, c'est un truc fermé, clac-clac. Et on se dit, tiens, mais il y en a qui peuvent peut-être faire leur peine ailleurs. Puis il y en a peut-être même qui peuvent faire leur peine dans un truc qui est semi-ouvert. Et là, on met un tabou au travail. Et on verra jusqu'où ça nous mènera. Et puis il y en a qui ont besoin d'être enfermés complètement. Anticiper le tabou, c'est encore mieux que le subir après. D'autres questions ? Oui, je voulais réagir par rapport à
à la force de ce bouc émissaire. J'ai bien compris que dans une institution, si le bouc émissaire est puissant, c'est un facteur inquiétant. Est-ce que vous pensez que dans le fonctionnement des groupes d'enfants, des groupes d'ados actuellement, c'est le cas ? Oui. Oui, c'est le cas. On a d'ailleurs, nous, on a étudié un cas il n'y a pas longtemps, où une jeune fille qui était extrêmement puissante dans son groupe, par un retournement... C'est la question du bouc émissaire, c'est une question, d'un point de vue de la stratégie, une question d'alliance. Question d'alliance et de représentation. Par un retournement des alliances, s'est retrouvée affaiblie, et tellement affaiblie que c'est devenu la question elle-même, le bouc émissaire, alors que c'était la meneuse. Plus on a des signes distinctifs qui sont marqués, et donc le fait d'être le meneur, c'est un signe distinctif très marqué, et plus on a de risques, si les antagonismes du groupe sont réels, plus on a de risques de devenir bouc émissaire. Donc effectivement, dans les groupes de jeunes, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Ça dépendra notamment de la façon dont leurs tabous à eux, qui sont les tabous, mais qui sont des tabous partagés bien souvent avec l'institution. Hein, leur tabou, je travaille bien, je travaille mal à l'école, les relations dans le quartier, les relations garçon-fille, etc., etc. Toutes ces choses-là, à un moment, ça peut ressurgir et ça peut transformer les interactions entre les membres du groupe. Merci. Il y a encore une question, je ne sais plus où c'était. Oui, alors Rémi, merci beaucoup pour cet exposé. Moi, je suis maître de conf en psychologie à Lille 3, en psychologie de l'éducation. Donc, je m'intéresse aussi à l'éducation, mais avec une entrée un peu plus psychologique. Et j'ai retrouvé dans ton exposé beaucoup de concepts qu'on traite en psycho. Je ne connaissais pas bien cette notion du bouc émissaire. Je connais un peu mieux le harcèlement. Je commencerai juste par dire qu'effectivement, quand tu as décrit le souffre-douleur, ça c'est vraiment ce qu'on entend sous le terme harcèlement scolaire en psychologie, c'est-à-dire une relation pathologique entre un dominant et un dominé, avec un plaisir réellement sadique d'une personne, ou éventuellement deux ou trois, toujours sur le même ou la même, de manière répétée, parfois extrêmement fréquente, extrêmement violente, 5-10 fois par jour, sur même des petites choses. Mais alors c'est différent, et maintenant, merci, parce que maintenant j'arrive à faire la différence entre ces deux figures. En revanche, il y a quelque chose qui est sans doute assez commun, c'est l'affaiblissement. Et alors, je ne sais pas si j'ai une question. On continuera à discuter, en dehors de cet amphi, mais je pense que cet affaiblissement, tu fais bien de le souligner, parce que en psychologie, on sait ça depuis longtemps, on a des rôles, on se voit attribuer des rôles par autrui. Ça commence dans la famille, ça se continue à l'école, ça se continue dans les structures de loisirs, dans le travail ensuite. Et ces rôles, à force d'être toujours dans les mêmes rôles aux yeux des autres, on finit par les intégrer comme des éléments d'identité. Donc ça veut dire qu'une personne, y compris une personne forte, comme tu viens de le souligner avec l'intervention précédente, peut ensuite être affaiblie et ensuite se vivre comme quelqu'un d'effectivement pas intelligent, pas malin, toujours là où il faut pas, etc. etc. Et ensuite, c'est toute l'image qu'on a de soi, et en particulier l'estime qu'on a pour soi, la valeur qu'on s'attribue, ce qu'on appelle l'estime de soi, qui va dégringoler. Et ça, c'est extrêmement préoccupant. Alors, ça m'évoque beaucoup de choses, mais peut-être j'ai quand même une question. Après le dénouement de cette situation de bouc émissaire, et si le dénouement est positif, c'est-à-dire si le groupe réussit à analyser à peu près objectivement ce qu'il a fait, et si les gens arrivent à revenir vers le bouc émissaire en disant « bon, ok, on est allé un peu trop loin, voilà, désolé, bon, voilà, on s'est emballé, voilà, tu sais comment c'est, bon bref, on fait ce qu'on peut hein, pour garder la face et en même temps essayer de s'excuser ». Est-ce que dans ce cas-là, la personne qui a été bouc émissaire peut en ressentir quelque chose de positif ? Certainement. Alors déjà, c'est un grand courage de la part d'un groupe d'arriver à ce que tu viens d'évoquer. Hein. Oui. C'est-à-dire être capable de se remettre en question et de dire « on a été injuste avec toi, on t'a stigmatisé, etc. » Et donc, la personne, ça va dépendre de la façon dont, justement, peut-être l'estime de soi dont tu parlais tout à l'heure, l'estime d'elle-même, elle a. C'est-à-dire que si elle a une estime élevée, je pense qu'elle est capable
d'accepter, y compris le pardon des autres, et de re-rentrer dans une dynamique. Mais bien souvent, on s'aperçoit quand même qu'il reste les stigmates, les fameux stigmates de cet élément-là. Ce qui me permet de faire le lien avec ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est que bien souvent, une personne arrive dans un groupe et elle est déjà porteuse de ce que tu évoques. C'est-à-dire que le groupe, la personne elle-même, elle a intériorisé des choses sur elle. D'être faible, d'être fort, d'être peut-être le bouc émissaire déjà ailleurs. Mais les autres aussi, en fonction de ce qu'elle est, va pouvoir, bien souvent, lui attribuer déjà un rôle au sein du groupe. Et donc là, ça veut dire que celui qui est responsable institutionnellement du groupe, c'est-à-dire que le prof dans sa classe par rapport au groupe d'élèves, il a une sacrée responsabilité par rapport à ça pour justement renverser les dynamiques. Hein. On parle d'assignation des rôles. Il y a certains qui sont assignés à leur rôle et ils sont porteurs de ce rôle-là, quel que soit l'endroit où ils vont arriver. Donc là, il y a un travail à faire avec la personne elle-même et il y a un travail à faire structurellement sur le groupe et l'organisation du groupe. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que dans le harcèlement scolaire, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des enfants et des élèves qui, malheureusement, portent sur eux quasiment des signes de faiblesse et de ce qu'on appelle faiblesse dans les compétences psychosociales, c'est-à-dire que c'est des enfants dont on se doute, dont les autres enfants se doutent rapidement que ces enfants-là vont avoir du mal à se défendre, vont avoir du mal à s'affirmer positivement, vont avoir du mal à se faire des copains, et donc ils vont être ils vont cumuler les facteurs de risque. Et c'est la même chose pour les profs. C'est-à-dire qu'un groupe d'élèves qui voit arriver un prof, on parlait du charisme, on parlait de l'autorité, bien souvent les élèves, ils repèrent comment on se déplace, la façon dont on parle, dont on occupe l'espace, comment on organise les choses, et très vite, ils se font une idée. Et donc, ils vont tester. Après, on teste cette idée-là. Et si l'idée, elle est confortée, ça devient difficile. Si au contraire, on réussit à faire autrement, c'est différent. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le phénomène du bouc émissaire intègre le groupe. Quand j'ai donné comme exemple vous et moi, ça veut dire que dans les classes, c'est le prof et les élèves. C'est-à-dire que bien souvent, on a des exemples, le prof est le bouc émissaire du groupe. C'est-à-dire que le groupe, dans sa totalité, a des tabous tels qu'il a besoin de faire du prof quelqu'un de fort, au moins statutairement, le bouc émissaire du groupe, pour ne pas avoir à se regarder en face. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Oui. Tant que je fais la route, j'en avais une. Moi, c'était sur tous les nouveaux médias. Est-ce que finalement, ça doit accélérer encore, finalement, ce phénomène de bouc émissaire ? Alors, ça l'accélère notamment dans la phase d'emballement, de désignation et d'emballement, puisque effectivement, maintenant, ça va tellement vite, on est tellement dans les circuits courts que du coup, cette phase-là, hop, on y arrive très vite. On y arrive très vite, ouais. Oui, voilà, je voulais vous remercier pour cette analyse parce que ça va me permettre d'être plus lucide face à mes élèves. Mais en même temps, je pense que ça va être aussi compliqué parce que il y a des éléments qui vont m'échapper probablement. Mais ce que je voulais dire également, c'est que le bouc émissaire, donc, c'est une victime. On peut la considérer comme une victime. Et comment on peut appeler justement ceux qui alimentent ce phénomène, le groupe, comment on peut le... Non, parce que le bourreau, ce serait une connotation... certainement qu'à un moment, il y a des bourreaux victimes, mais bon, c'est une grille de lecture. Pour moi, c'est des acteurs de situation, c'est des acteurs dans la situation. Et comme on voit que, justement, le bouc émissaire, c'est pas une place qui est prédéterminée, et que chacun d'entre nous, on peut l'être, ça veut dire qu'on peut être... on est tous acteurs de cette situation-là. Et donc, il faut se méfier, de la connotation des termes. Parce que si on dit, hop, vous êtes le... Alors peut-être qu'à un moment, mais on a vu ça aussi dans certaines situations, dire à des gens, oh, celui-là, vous êtes en train de faire votre victime, vous êtes en train de vous mettre dans la position du bourreau. Mais là, ça veut dire qu'un bourreau, on stigmatise. Et donc, ça veut dire qu'on interpelle la personne de cette façon-là. Si on prend le phénomène dans toute son ampleur, moi, je dis que ce sont des acteurs de situation. Nous sommes les acteurs des situations institutionnelles, professionnelles, et donc on négocie d'une certaine manière nos places dans ces situations-là. Et à un moment, effectivement, il y aura celui qui sera la victime. Et les autres, peut-être, devront être considérés comme des bourreaux, mais bien souvent, l'emballement mimétique fait quand même qu'on perd une conscience de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de délitement, mais y compris de la conscience de la responsabilité qu'on a dans ce phénomène-là. Mais il y a un délitement aussi, plus généralement,
de l'institutionnel, du professionnel et même de la responsabilité individuelle. Donc ça fait qu'à la fin, si on fait un retour sur expérience, bien souvent, les acteurs se disent « j'ai été dépassé par ce qui s'est passé hein ». Le chef qui dit « mais moi je suis neutre ». Voilà, donc à un moment, on est peut-être des bourreaux, on essaie de pas l'être quand même. Bonjour, j'ai deux questions. Alors la première, c'est est-ce que le souffre-douleur ou la tête de Turc, elle a plus de risques de devenir bouc émissaire qu'une autre personne ? Et ma deuxième question, c'est quels sont les indicateurs qui nous permettent, en tant que personne un peu extérieure, de voir si cet élève-là, il est plutôt bouc émissaire ou victime de harcèlement ? Alors, première question, oui, puisque la tête de Turc, il a déjà un signe victimaire, c'est qu'on se défoule sur lui. Le souffre-douleur, il a déjà un signe victimaire, c'est qu'on le persécute. Donc, évidemment, si à ces signes victimaires s'ajoutent d'autres signes victimaires, tu arrives en retard, t'es pas un bon camarade, tu viens d'un mauvais quartier, t'es pas dans la bonne bande, je sais pas quoi, toutes ces choses-là, à un moment, vont alimenter. Donc, c'est un mauvais début. Et effectivement, ça va contribuer, et donc ça veut dire que, hélas, le bouc émissaire peut cumuler les mauvaises places. Pour la deuxième question, sur... dans le phénomène du bouc émissaire, à un moment, une des modalités, c'est le harcèlement. Puisqu'on a vu qu'au moment de la désignation, au moment de l'emballement mimétique, on est dans du harcèlement. Mais on n'est pas dans du harcèlement uniquement de côté psychologique, dans la perversion de la relation, mais tout simplement aussi dans on t'attaque, on te reproche ça. Les reproches fusent de toutes parts, d'une certaine manière. Donc, le harcèlement existe aussi dans le phénomène du bouc émissaire. Et alors, du coup, comment repérer ? C'est par une relation, des interactions entre les individus. C'est-à-dire que vous repérez, si vous êtes dans la classe, c'est ça en fait, en tant que prof dans la classe. Si vous êtes dans la classe, vous regardez les interactions entre les uns et les autres, vous voyez qui est-ce qui lance des pics, qui est-ce qui reçoit les pics, est-ce que c'est toujours le même, est-ce que ça va... Est-ce que c'est simplement du verbal ? Est-ce que ça va jusqu'à l'intimidation physique ? Est-ce que ça va carrément jusqu'aux raquettes ? Enfin, c'est dans le regard vigilant, on pourrait dire, de ça. Et si vous voulez être dans la prévention, et là on est dans la pédagogie, si vous voulez être dans la prévention, il faut s'assurer que dans la phase de discrimination, les signes distinctifs des uns et des autres ne soient pas niés, parce que celui qui est gros, il est vraiment gros, celui qui est maigre, il est vraiment maigre. Donc ça sert à rien de nier ça, de dire vous êtes tous pareils. C'est pas vrai. Par contre, c'est être capable de faire attribuer au moins du neutre à ces signes distinctifs, si possible du positif, c'est-à-dire trouver une place positive à celui aussi bien qui est gros que celui qui est maigre. Et ça, pour le coup, c'est de la pédagogie, c'est de la vraie pédagogie ça, parce que c'est vraiment la relation éducative par le type d'activité qu'on met en place avec les élèves qui fait que, dans la réalité des projets, ils vont trouver une vraie place, y compris s'ils sont gros ou s'ils sont maigres, ou s'ils sont petits ou s'ils sont peu ou s'ils sont grands. Merci à vous. Une dernière question là-haut. Une dernière question, puis après on va arrêter là. Il y en a là-haut aussi, donc je sais pas à qui. Deux alors, puis après on arrête. Après c'est PMU après. Bonjour, moi je voulais vous poser une question. On a parlé des élèves en tant que bouc émissaire, des enseignants en tant que bouc émissaire, des personnels de l'éducation nationale en général en tant que bouc émissaire. Est-ce que les parents ces dernières années sont pas aussi devenus des boucs émissaires, notamment du décrochage scolaire et de l'échec de leur enfant à l'école ? Bien sûr. Les parents ont comme signe distinctif d'être parents. Donc c'est un signe distinctif par rapport au signe distinctif élève, au signe distinctif enseignant. Donc, par rapport à ça, on va leur attribuer, c'est leur signe distinctif, on va leur attribuer du positif et du négatif en fonction de leur rapport au savoir, leur rapport à l'école, leur rapport à la relation qu'ils ont avec... mais de la même façon que l'éducation nationale peut devenir le bouc émissaire de la société. C'est la raison pour laquelle on essaie de vous faire faire de plus en plus de choses en vous disant « Mais oh, c'est vous qui avez les jeunes là, faites en sorte que tout aille bien dans la société par l'éducation ».
Donc vous pouvez... Le phénomène du bouc émissaire touche aussi bien des individus que des groupes d'individus, que des institutions, voire même que des fonctions dans les institutions. Vous avez certaines institutions, on a évoqué le fait que j'étais directeur d'institut médico-éducatif, où dans notre institution, et dans d'autres qu'on a vues, ben, il y avait tantôt une place qui était systématiquement celle du bouc émissaire. Le psychologue était systématiquement le bouc émissaire. C'était toujours lui. Voilà, donc c'était cette fonction-là. À nous de travailler pour que on évoque les fonctions de façon différente. Toute dernière question. Oui, donc dernière question. J'espère ne pas être stigmatisé par le groupe pour poser des questions au-delà du temps imparti. Je me demandais justement sur la façon dont se vit le bouc émissaire. C'est-à-dire qu'on associe souffre-douleur, une souffrance évidemment individuelle. Est-ce qu'il n'y a pas une frontière parfois qui peut être un petit peu plus poreuse dans la façon dont se vit le bouc émissaire au sens où il pourrait s'en trouver valorisé, c'est-à-dire d'être que cette différence par rapport aux autres, à un moment donné, devient une manière pour lui d'exister par rapport aux autres. Et je pense concrètement à des situations où on peut avoir un bouc émissaire dans une classe une année, on l'a repéré, et l'année suivante, toutes les conditions sont réunies pour qu'il échappe à ce rôle. Alors il s'est construit, c'est ce que vous disiez, dans ce rôle, mais on a l'impression qu'il va de lui-même chercher de nouveau à capter l'attention et à créer lui-même les conditions pour être désigné comme bouc émissaire. Ouais, vous aviez exactement la réalité, c'est que c'est une façon d'exister dans un groupe. Et on pourrait même aller plus loin. On a repéré, mais on ne peut l'aborder qu'une fois qu'on a bien réfléchi à la question, on a repéré des bénéfices secondaires à être bouc émissaire chez certains. Certaines personnes se construisent effectivement avec des bénéfices secondaires à être bouc émissaire. Et je vous donnerai un exemple, dans un collectif d'adultes, je ne dirai pas où, dans un collectif d'adultes, par nos indicateurs, par notre grille de lecture, on s'aperçoit qu'un des membres du collectif professionnel est bouc émissaire, on le prend à part, on lui explique ce dans quoi il est en train d'être entraîné, et la personne nous dit « Je sais, je préfère être bouc émissaire que rien du tout ». Et alors donc là, vous voyez la responsabilité institutionnelle. Lorsque un responsable institutionnel ne peut donner que la place de bouc émissaire à un professionnel, c'est que ça va mal, hein. C'est que ça va très mal. Donc effectivement, pour lui, c'était sa façon d'exister. Merci bien.